C'est l'histoire de Chocoline, la petite poule, qui vivait dans la pâtisserie. Un jour, les enfants passent et disent « Oh, ça y est, c'est le printemps qui arrive, c'est bientôt Pâques !» Alors, Chocoline décide de s'évader afin de partir à la recherche du printemps. Chocoline croise alors des jonquilles. « Oh, belle jonquille, dites-moi où est le printemps ?» Et les jonquilles lui répondent, « Mais le printemps, c'est un petit peu nous, Chocoline. »« Oh, vous vous moquez de moi, » pense Chocoline. Alors Chocoline poursuit sa route. Et là, elle arrive près d'une jolie maison. Sur le bord de la fenêtre, une jacinthe magnifique lui fait coucou. « Oh, jacinthe, dis-moi où est le printemps ?» Et la jacinthe lui répond, « Mais le printemps, c'est un petit peu moi, Chocoline. » « Oh, tu te moques, toi aussi !» Alors, Chocoline poursuit sa route, mais épuisée, elle s'arrête dans un poulailler. Au petit matin, Chocoline reprend sa route, mais les œufs qui baladent dans son ventre la gênent, alors Chocoline se déleste. C'est ainsi qu'au petit matin, Véronique, la fillette de la ferme, allant chercher les œufs du poulailler, trouve tout un nid d'œufs en chocolat. Chocoline poursuit sa route, elle arrive à l'oreille d'un bois. « Coucou, coucou, fais le coucou !» Alors Chocoline se dit, « Peut-être est-ce ça, le printemps, le coucou qui fait coucou ?» Mais non, ce n'est toujours pas ça. Alors Chocoline s'aventure dans la forêt sombre. Mais à un moment donné, elle arrive à l'oreille d'une magnifique clairière avec de très beaux arbres. Et là, Chocoline, fatiguée, se repose. Mais le soleil brille et réchauffe Chocoline. Et Chocoline se dit, « Ah, mon Dieu, que je suis bien !» Et là, du coup, Chocoline sait, elle a trouvé enfin le printemps. Seulement voilà, à force de chauffer, Chocoline fond. Au petit matin, une jeune fille qui passait dans la clairière ne trouvera que le nœud de Chocoline et se régalera de la petite poule au chocolat fondu. Ainsi se termine l'histoire de Chocoline, la petite poule de chocolat qui trouva le printemps.